Salut tout le monde, c'est suis le Bisli de aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, de présentation de serveur, du serveur Hunter Fight. C'est un serveur sous launcher euh, qui... Euh écrit de fin qui existe depuis euh, mi-juillet il me semble depuis juillet dernier donc ça fait un bon bout de temps qu'il existait le serveur j'étais pas au courant que ça faisait un, ça faisait quand même un petit moment qu'il est qu'il existait donc c'est un un serveur euh, un sous launcher avec des nouveaux minerais etc voilà euh, rien d'inédit à ce côté là mais il euh, y a des choses vraiment très très intéressantes ce serveur donc pourquoi je fais la présentation serveur etc euh, alors que ça faisait longtemps enfin voilà bref euh, tout simplement parce que euh, le serveur à euh, la base c'est euh, le serveur d'un poteau, le serveur de Ange Franc, et euh, j'étais même pas au courant d'ailleurs qu'il avait un serveur ce, ce con. Enfin bref, et, euh, et avec Vass on cherchait euh, tout simplement un, un serveur euh, pour au, un, serveur, un bon vieux serveur faction français euh, sur lequel jouer. Parce qu'en euh, ce moment, on joue surtout sur des serveurs US tels que Koei euh, et c'est sais ça. faisait longtemps qu'on n'avait pas joué sur un serveur comme ça et ça nous manquait. Et du coup, euh, lui, vu qu'il reprend Minecraft et tout en même temps, bah, c'était un peu parfait. Il nous expliquait un peu toutes les nouveautés, ce qu'il y avait déjà sur le serveur et ça a l'air d'être vraiment cool. Euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le présenter et puis euh, surtout en je me l'a proposé. Euh, je vous le cache pas aussi, voilà parce que je vous vois venir à 3000. Euh, entre guillemets, je fais que ça que pour la thune, etc. Il va y avoir masse dislike. Je vous cache pas que je vais être euh, un petit peu rémunéré euh, pour la présentation. C'est un, un bonus quoi. À la base, je le faisais vraiment pas pour ça parce que ce serveur là il a l'air vraiment cool. Et euh, d'un côté, ça peut vraiment être pas mal pour vous si déjà vous en cherchez un. Et euh, surtout aussi si vous, avez, si vous avez envie de jouer sur un serveur faction avec moi et VAS, parce que je pense qu'on va, on va bien le geek avec VAS vu que lui genre, il reprend Minecraft, etc. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué sur un serveur faction. Euh, donc oui, je l'avoue, parce que ça, 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 fait un peu polémique sur les dernières vidéos présentations que je fais. Euh, je suis rémunéré pour la, pour la, pour la vidéo. Voilà, il n'y a pas de souci. Euh, je vois pas où est le problème. Vous, ça vous fait un nouveau serveur. Euh, pareil pour moi. En plus, vu que je cherchais un nouveau serveur faction euh, en même temps. Donc je ne sais pas s'il y aura un, un si il LP faction prévu pour l'instant sur le serveur, parce que je pense que si y en a pas mal, qui seraient intéressés, euh, parce que vous, kiffe, je sais que vous kiffez bien les LP factions, et je pense qu'il y en a pas mal. Qui, euh, qui sera intercire en face 1 donc euh, je verrai si euh, si on joue vraiment beaucoup sur Sahara etc et qu'on le trouve vraiment intéressant peut-être pourquoi pas je ferai un, un LP function mais il n'y a absolument rien de prévu euh, donc commencez pas à vous emballer ou quoi voilà euh, donc on va donc on fait de la vidéo présentation aussi euh, à l'occasion de, de la nouvelle version qui est la 2.2 donc le savoir ça fait longtemps qu'il existe et tout mais là ils vont passer en 2.2 et euh, ils ont rajouté pas mal de nouveautés qui sont euh, vraiment euh, très très prometteuses Le serveur je pense qu'il va, euh, va vraiment cartonner Donc j'espère que vous serez nombreux et tout à venir sur le serveur, il a l'air de vraiment pas mal Donc là on est sur le spawn, donc qu'est-ce qu'on peut commencer on, va commencer on va commencer par vous présenter le spawn etc... Euh la gueule du spawn, donc le, 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 le serveur est en maintenance pour l'instant. Donc, ça fait, je sais pas combien de temps ça fait. Euh, ça fait un petit moment, euh, d'autres, enfin, je sais pas, je vais pas vous dire des conneries. Je sais pas exactement, ça fait combien de temps qu'ils sont en maintenance, mais ils sont en maintenance et ils réouvrent. Euh, je sais pas si je vous l'ai dit ce samedi là, ce samedi 4 avril à 16h. Euh, malheureusement, je serai pas disponible euh, pour ce pour l'ouverture parce que j je serai pas chez moi et tout. J'ai un truc à faire, enfin, bref, euh, je serai pas disponible, mais euh, pour euh, le lendemain ou les autres, les, les jours à suivre, je pense que je serai euh, disponible. Bah, ouais, de, de, de toute façon, je, comme je vous l'ai dit, je vais juste sur le serveur, je pense, donc euh, c'est même sûr. Donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Si vous voulez me croiser ou quoi. Euh, voici donc le spawn. Le spawn il est vraiment bien, bien, bien badass. Regardez, il, il y a une espèce de statue à chaque point, euh, à chaque euh, ouverture du spawn, euh, à chaque point cardinal. Voilà. Donc le spawn pour euh, aller dans la warzone, il faut sauter, tout simplement. Voilà, il faut sauter et la warzone est en dessous. J'ai demandé de mettre le jour possible je sais pas si j'ai entendu mon clavier j'ai un nouveau clavier nouvelle souris nouvel, nouveau tapis de souris j'ai tout de nouveau les gens aussi je vous en parlerai dans une prochaine vidéo là c'est pas trop euh, c'est pas trop le top de vous en parler euh, maintenant donc faudrait qu'ils mettent euh, le jour si c'est possible mais je crois qu'il est FK euh, Ouais du coup bon tant pis on va faire un truc on va le faire à l'ancienne on va se mettre du popo de netvision Vision au oh, calme voilà, on va dire que c'est le jour. <laughs> et voilà, donc ils ont une nouvelle Warzone. Euh, je sais pas si cette Warzone là c'était l'ancienne et ils m'ont dit qu'ils vont la changer. En tout cas, la Warzone est, est vraiment super sympa pour PvP et vraiment très très pratique. Euh, ils ont, ouais, ouais, voilà, il y a des bugs. En gros, euh, regardez, il y, des... y a la warzone qui est pas encore euh, tout à fait bien, bien. Il leur, il reste encore deux ou trois trucs avant l'ouverture, mais d'ici l'ouverture, ça sera tout parfait. Les gens, vous inquiétez pas. Euh, donc, ils ont un, un système de bac à aussi pour ceux qui sont intéressés. Euh, donc déjà pour, mon... pour aller au bac... pour aller à la paix, c'est plus difficile parce qu'il y aura une, 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 une teinte de montagne et il m'a expliqué qu'il y en a qui ce qu'ils faisaient c'est qu'ils enlevaient les enfin, ils mettaient des tables de craft ou, euh, ou je sais plus exactement pour pas qu'on puisse se tp ou ou qu'on puisse euh, enfin qu'on puisse rester bloqué en fait dans les AP. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit parce que moi ça fait longtemps que je suis pas juste sur ce genre de serveur les gars avec les AP et tout. Je suis dépassé moi, pour les AP à l'époque où je suis sur ce genre de serveur les AP ça existait pas et puis maintenant bah c'est la vie quoi. Les AP en hein. Sur le serveur faction français, et euh, ouais, en gros, pour cette nouvelle version, ils ont fait euh, plein de choses pour euh, éviter justement le, le, le back-app. Euh, donc, je vais vous dire un peu toutes les nouveautés et ce qu'il avait déjà sur le serveur. Voilà, tout simplement. Donc, je vous montre un peu euh, la Warzone, etc. Donc, euh, vraiment sympa. On va retourner au spawn. Euh, alors, pour les euh, minerais du serveur, euh, on a euh, deux euh, l'obsidienne, voilà, euh, épée et armure en obsidienne. On a du zinc, du zinc, je sais pas exactement comment ça se dit. On a de l'émeraude et on a euh, de la minosite On a un stuff spécial euh, vampirite aussi, je crois que c'est le best euh, stuff euh, du serveur. Euh, on peut l'avoir seulement. Enfin, en gros, ça se craft avec euh, du euh, minerai de, de vampirite, voilà. Excusez-moi, j'ai locké. Okay. <laughs> et, euh, et en gros, euh, le, le vampirite, on peut seulement l'obtenir euh, en votant pour le serveur. Euh, ou en combattant il me semble des nouveaux, un nouveau mob qui a été inclus c'est un, c'est le, le, le vampire Il y a un mob qui, voilà, qui a été tout, ouais, tout simplement qui s'appelle le vampire Il y a les vampires maintenant et euh, donc tu peux soit si tu as de la chance en récupérer sur le vampire il me semble Ou en votant sur le serveur donc c'est des minerais très très rares Donc euh, vous verrez jamais des mecs en mode euh, en mode vampirite se balader au camzer. Enfin euh, il n'y aura pas 50 000 mecs se balade, qui vont se balader au camzer avec euh, du stuff vampirite je pense sur le serveur euh, les popos euh, peuvent être stack euh, maximum par 6 Donc ça c'est plutôt pas mal je trouve comme, comme ça ça évite de prendre Bah ça déjà ça, ouais, ça évite de, de remplir complètement l'inventaire popo Et euh, d'en avoir plus aussi euh, Donc voilà ouais, tu peux en avoir Voilà euh, ouais, tu peux prendre ça avec ton épée et tu, peux, ouais, tu peux avoir beaucoup plus de heal Et justement moins bourrer l'inventaire C'est plutôt pas mal T'as une hache spéciale qui me semble que la hache vampirite qui a été rajoutée. Je sais pas si cette as a aussi été rajoutée pour la 2.2. Mais la hache qui a été rajoutée pour un 2.2 qui est une hache très très puissante. Donc c'est pareil ça, la, je peux pas te la faire. Euh... Tu peux pas te la faire comme ça, mon pote. Euh, bah, tiens, pendant qu'on est ici, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est euh, les nouveaux crafts. Donc, la craft euh, de la pomme de minage. Donc, la pomme de minage, elle donne euh, Ast. Donc, je vais la manger. Euh, je peux pas la manger vu que je crois que je suis en gem. Donc, on, tant pis, on va pas la manger. On a euh, le kebab qui se craft comme ça, qui donne Jump Boost. Euh, là les mineraux, voilà, pareil ici. Euh, ça c'est l'arc euh, qui quand tu le tends au max, regardez par exemple là tu le tends pas au max, il y a un petit bug de texture aussi, vous voyez, on, on voit pas la flèche qui est tendue, euh, mais vous inquiétez pas, ça va être réglé aussi avant samedi, ça c'est sûr. Donc quand tu le tends à fond en fait et bah ça lance des bah, des flèches en feu, voilà tout simplement. Euh, voilà pour le craft de la hache et, et pareil pour euh, les minerais de, 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 de vampirite voilà. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux vous dire d'autre euh, C'est un, un, un launcher, donc euh, je vous mettrai tout dans la description, déjà l'IP, enfin non pas l'IP, je vous mettrai le lien du site, le launcher, etc. Euh, donc le launcher, dans le launcher, il y a déjà euh, des modes intégrés, euh, notamment bah, les bons modes de pvp enfin que moi j'ai toujours eu, qui sont vraiment très très utiles, euh, comme status effect, armor status effect, etc. Euh, vraiment toutes ces conneries qui sont euh, vraiment très très utiles. Et en haut à euh, gauche, il y, y a les armures, etc. Donc tout ça qui est vraiment très très utile, euh, on a des popos qui ont été nerfs un peu comme les popos de poison, regardez c'est pas le même temps que, que le temps de base, euh, je sais pas s'il y a que les popos de poison qui ont été nerfs mais il y en a plusieurs. Euh, voilà ce qui est pour les popos donc qu ce qu'ils ont rajouté de qui est vraiment intéressant pour la 2.2 donc déjà ils ont un nouveau site euh, qui ont qui ont qui, ont, qui, ont été, qui a été entièrement euh, créé par euh, bah, un de leurs membres du staff je sais pas exactement qui euh, je crois que c'est MC Hunter justement qui se connecte là de... depuis tout à l'heure je sais pas ce qu'il fait euh, qui a créé donc c'est pas un de cms ou quoi c'est vraiment un site entièrement fait par eux donc il y a vraiment sympa et tout euh, facile d'utilisation on a... Euh, ah oui, un Gif Action aussi maintenant qui est très intéressant, je vais vous montrer ça à la fin. Il y a des musiques maintenant aussi lors des events, vraiment des des, bah, des musiques que... Pardon, moi je mets dans mes vidéos, des, des grosses musiques sympas et tout, euh, d'ambiance que tu peux trouver sur des chaînes comme sur No Copyright Sound et tout. Ce n'est pas des musiques comme de ju jukebox de pourri de Minecraft, c'est vrais, vrais, de vraies musiques. Euh, donc ça peut être pas mal, genre des musiques un peu badass quand il y a des events. Il y a des KOTH automatiques, ça c'est un, un des gros points forts, je crois de la 2.2. Bah de de, de Donc il y aura des KOTH automatique ça je pense que ça va vraiment être, euh, vraiment être intéressant. Donc euh, moi je pense que je vais bien y, je vais je vais je vais y participer, y participer à ces KOTH parce qu'ça vraiment de la balle. Euh, on a euh, voilà les nouveaux meubles vampires, il y a une réduction considérable des lags aussi parce que je sais pas si ça laguait pas mal avant mais euh, normalement il devrait plus avoir aucun lag. Et euh, donc, le GIF action, si je vous montrais un truc intéressant, euh, faut que je m'enlève de game mode en fait. Mais vu que j'ai pas OP, je peux pas. Euh, ah, ouais, du coup, je peux pas l'enlever. Le G. Ouais, mais il est AFK, je crois. Il est AFK. Attendez deux secondes, je fais une petite pause pour voir si. Euh, pour le réveiller, pour qu'il m'enlève le GM. Euh, je vais reprendre. Un... Voilà, tout le monde, donc j'ai envoyé un petit message euh, sur Skype à l'admin pour, euh, pour qu'il m'enlève le gemme. Euh, alors, donc je vous montrais... Euh, donc, quand vous, vous allez dans votre inventaire, et bah, vous avez un, un gestion faction, un icône. Et euh, vous avez bah, toutes les... Euh, directement... Enfin, en gros, vous avez plein de trucs qui permettent de, bah, tout simplement de directement faire les commandes. Donc, par exemple, euh, si on veut créer une faction... Euh, ah oui, alors attends. En gros, il fallait que je mette le nom. Donc, je vais l'appeler à l'ancienne Origins. <laughs> Et euh, voilà. Et donc, du coup, ça crée la faction Origins. Voilà. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Euh, changer la description. Ah, il faut toujours mettre le texte avant. Je suis con. Donc, genre, blablabla. Bla, bla. Et tu changes la description. Et du coup, après, quand tu fais show bah voilà, t'as la description. Donc, c'est un petit truc. Euh, ouais, c'est un petit truc sympa qui euh, évite de. Euh, de tout mettre dans le chat, euh, surtout pour les nouveaux, si vous connaissez pas du tout les commandes de faction, bah au moins vous avez, vous, 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 allez, vous allez pas être perdu. Ce que vous voulez faire, bah vous allez directement dans l'interface du faction du gui et puis c'est parfait. Euh, je suis voilà, quitter, rejoindre une faction, euh, claim une zone. Ah oui, tu peux claim et tout carrément. Et donc là, si je quitte la faction, voilà, ça, a, ça a été une ban. Donc voilà, euh, il me semble que j'ai fait un, un peu près le tour. Donc euh, j'espère que vous viendrez nombreux sur le serveur si vous voulez euh, me creuser moi et Vas. On va essayer de, de, de jouer, de se faire une petite faction On en trouver une, on va voir. Donc commencez pas aussi à essayer de me recruter. Euh, à essayer de me recruter de, de, venir, de venir dans l'autre faction quoi. On verra très bien. Il euh, y a un système de 1 v 1 aussi. Je viens de voir. Je sais pas si c'est des 1v1 en mode on, le, le, le stuff. On nous le donne ou c'est ton stuff et du coup tu peux le perdre. Je sais pas. Après, je j'ai dû oublier pas mal de trucs. Mais euh, bon... Euh, je pense que le meilleur moyen de d'en connaître davantage sur le serveur bah, tout simplement c'est de venir et puis euh, de le découvrir par vous-même hein. je pense que c'est plus intéressant euh, que de tout savoir directement sur la vidéo donc voilà j'espère que bah, tout simplement voilà vous serez nombreux à venir sur le serveur etc je suis partout et, euh, et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo euh, de, de, de quoi que ce soit donc voilà donc euh, à plus tard les potes oh